ma def fon mu jere ciu top yonu chay chay buntu yeb de ju ay way nu may recce aduna du balé jaru wéru yeah blue eye def popam doñale ay mbokam yene negle Eo, c'est donc ça tes séances de travail? Hein? Elle est habillée comme une gâtin, là. Et en plus, elle porte ton t-shirt préféré. Maman, s'il te plaît, je sais que je te dois beaucoup d'explications, mais pas maintenant. S'il te plaît. Tu fais tout ça dans le dos de Day Marie? Maman, je t'en prie, c'est pas le moment, s'il te plaît, pas maintenant. De toute façon, c'est pas grave. Je suis là pour le conteneur. Ah, ouais, c'est la commande du Brésil. C'est les cadres et les vitres qu'on avait commandés la dernière fois. Ami, ta commande est arrivée hier soir. Ah, super. Si j'arrive à finir ce que j'ai préparé, je te garantis que tu seras aux anges. Je vais y aller. Mais ne t'en fais pas. Toi et moi, on va avoir une discussion. T'as bien compris? Oui, maman. Tata, tu pars déjà? Monsieur Lenny est un peu décontenancé par votre réponse à la question précédente. Il doit prendre le temps de réfléchir. Mais pour un besoin impérieux de liquidité, il vous interroge sur la possibilité de se faire octroyer un bonus de 10 000 euros. Que lui conseillez-vous? Alors, la grande spécialiste, que conseilles-tu à Monsieur Lenny? Écoute, ton exo est assez corsé, on va dire, j'avoue, mais c'est fastoche pour moi. On verra bien. Excuse-moi, je te réponds, mais attends. Hé, c'est la maman de Majib. Bah, réponds. Qu'est-ce qu'elle veut? Allô, Tata? Allô, Day Marie? Pendant que toi, tu es en France, pour essayer de régler tes problèmes avec Majib, lui, en ce moment, il vit avec une fille. Une fille? Comment ça, une fille? Je sais pas. Je ne la connais pas du tout, celle-là. Appelle Majib et règle vite ce problème, Day Marie. Il est hors de question que je tolère ce genre d'enfantillage. Tu as compris? Il est grand temps pour vous deux de régler vos problèmes. Bonne fois pour toutes. Comme ça, on sera enfin fixés. On est d'accord. Ça veut dire quoi? Majib, il va m'entendre. Ok. Mais je rêve, c'est pas possible. Elle a dit quoi? Je rêve. C'est grave, c'est Majib. Aïcha, je le savais. Je le savais, je vous l'avais dit. Mais calme-toi, Majib, c'est quoi? C'est Majib, Majib me trompe. Non mais attends, calme-toi. Non, mais que je me calme, pourquoi? Calme-toi, arrête, arrête, qu'est-ce c'est qu'il a fait? C'est sa mère qui vient de me le dire, sa propre mère. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Et là, hey, je fais quoi? Calme-toi. Je me doutais que Majib allait me... Que je me calme, pourquoi? Non mais attendez. Non mais tu te rends compte de la situation? Ok, d'accord, d'accord, mais calme-toi. Si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, appelle-le. Que j'appelle Majib? Que moi je me casse la tête à l'appeler? C'est pas la peine, il a qu'à vivre avec sa garce. C'est qu'un sale type, de toute façon, je le savais. Viens, c'est rien. On m'avait prévenu qu'il était comme ça, et j'ai pas écouté. Pleure pas.
Calme-toi, tu verras, ça ira mieux. C'est bon là, t'es contente? Si tu veux savoir, je suis super contente. J'en ai marre de raconter des histoires et que tu veuilles pas assumer. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas du tout ça. Écoute, je pense que c'est important de prendre notre temps. Premièrement, faudrait que je rompe avec Dale-Marie. Ce qui va prendre du temps parce que je dois l'aménager. Deuxièmement, il faudrait qu'on fasse accepter cette relation à tout notre entourage. Si tu agis comme ça, tu vas te mettre à dos ma mère. Déjà, c'est pas avec ta mère que je sors. Mais c'est pas du tout ça le truc, ami. Peu importe. De toute façon, moi je dois retourner en France dans 2 jours. Pardon ? Ben oui. Moi je suis pas venu ici pour rester éternellement. Et toi, tu viens me l'annoncer comme ça ? Oui, ami. Ça change quoi ? Écoute, de toute façon, ma décision est prise. Je vais en France, je règle ce que j'ai à régler, et puis je reviens. Ok. Bon voyage. Vous êtes en avance aujourd'hui. Je le suis toujours. La dernière fois, c'était un jour un peu spécial. Comment ça ? J'avais perdu quelqu'un, en fait. Ah, je suis vraiment navrée. Et vous êtes quand même venue ? Fallait pas ? Disons que travailler, c'est ma thérapie. Et je garde un excellent souvenir du dernier rendez-vous. C'est la raison pour laquelle je vous ai proposé de venir travailler aujourd'hui. Ah, d'accord, parce que je me demandais pourquoi ici. Je comprends mieux maintenant. Ok. Excusez-moi, pardon. Allez-y. Vous m'excusez 2 minutes, c'est mon fiancé. Allez-y, pas de problème. Super, merci. Allô, chérie ? Salut, bébé. Tu fais quoi ? J'ai envie de te voir. T'as pas vu mon message ? Je suis en rendez-vous, là. Ah, non. Désolé. T'en as pour longtemps ? Disons, à peu près 1 heure, grand max. Hein. Mais au pire, retrouve-moi directement à l'hôtel. Yas, aux Almadies. Ok, cool. Disons, dans 1h30, alors. D'accord, ça marche. À tout à l'heure, bisous. Vraiment désolé, monsieur Sec. Mais non, y a pas de souci. Attendez, pour être tranquille, mode silencieux, comme ça on sera pas dérangé. Mais monsieur fait bien de surveiller sa dame. Ah non, 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 c'est juste une attention. Rien de plus. Ok, bien. Attaquons-nous à votre étude de marché. En interne, nous avons des veilles concurrentielles qui ont mis à notre disposition pas mal de chiffres. D'accord. Et j'ai été surpris par votre contre-expertise. Merci. Apparemment, vous aviez les bons chiffres. Et je suis curieux de savoir comment vous avez fait. Le digital. Ah ouais ? Bah, écoutez, je vous explique tout. Je pense que c'est une bonne idée que je lui dise. Tu n'as pas le choix. Tu dois le faire. Sinon, Raja s'en chargera. Et elle lui dira, de la façon qui lui plaira. C'est sûr qu'elle va rompre. Je le sens venir. Tu n'en sais rien. Contente-toi de lui dire. Mais attends mon signal. Tu comptes me dévoiler ton plan ? T'as pas confiance en moi ? Tu t'en sortiras pas. Pas comme ça. Jamais de la vie. Et ton téléphone, hein ? Tu réponds pas, hein ? Pourquoi tu réponds jamais ? Je te jure qu'il va m'entendre, ce sale imbécile. Il a intérêt à avoir une bonne excuse. Day, Aïcha m'a tout dit. Boris, est-ce que tu étais au courant de la situation ? Non. Tu savais ce qu'il faisait ? Non. Même pas ? Non, t'étais au courant, Boris. Majib te raconte tout. Day, j'étais pas au courant. T'étais au courant, je le sais. La parfaite idiote ici, c'était moi. Dis pas ça. Pourquoi tu m'as rien dit, Boris ? Pourquoi ? Mais j'étais pas au courant, Day. T'étais pas au courant ? Non. Ok. De toute façon, moi, j'ai rien à dire. Mais ton pote, là, lui, il va m'entendre. Il paie rien pour attendre, sauf que monsieur ne répond pas au téléphone. Mais ça va, moi, je suis prête à l'affronter. Écoute, j'en sais pas plus. Moi aussi, j'ai essayé de l'appeler et... Boris, écoute. Laisse-moi, s'il te plaît. Sors, j'ai envie de rester seule. Si tu ne sais rien, t'en mêle pas. T'en mêle pas, sors. Day, parle-moi.
Parle-moi. Je peux pas. Je peux pas te parler. Mais parle-moi. Mais tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rien à te dire. Je veux parler à Majib. Je veux parler à Majib et puis c'est tout. Quoi? De toute façon, je vais te dire. Vous vous en foutez de nos sentiments. Vous êtes égoïstes. Vous êtes tous les mêmes. Même. Même Ami me l'avait dit de toute façon. Je me suis entêtée avec Majib, cet imbécile. J'ai passé 2 ans à... Je vais pas te faire un dessin, Boris. Je t'apprends rien. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour lui? J'ai tenu tête à ma mère, Boris. C'était chaud au Sénégal pour moi. Je sais. Mais j'étais là pour lui. Qu'est-ce qu'il fait de tout ça? Mince, mais... En plus, franchement, mais t'imagines, c'est sa mère qui m'a appelé en plus. Allô, Majib partage son appartement avec une... Qu'est-ce que j'ai raté, hein? Qu'est-ce que j'ai raté pour qu'il aille voir ailleurs? Une garce! Elle en vaut même pas la peine. Et ça, j'en suis sûre. Parce que jamais elle fera pour Majib ce que j'ai fait pour lui, c'est pas possible. Day. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça, Boris? Dis-le-moi! Qu'est-ce que j'ai pas fait pour cet idiot? Dis-moi pourquoi, s'il te plaît. Je... Pourquoi vous êtes tous comme ça? Pourquoi est-ce que vous êtes tous des égoïstes? Day, calme-toi. Oh, Boris, s'il te plaît, me demande pas de me calmer. Mais... Dis-moi, s'il te plaît. Non, non, me touche pas! Non, laisse-moi! Hey, calme-toi, Day, ça va aller. Calme-toi. Je le déteste de toute façon. Pourquoi il a fait ça? Voilà. Pleure. Ça va, Ami? Oui, ça va, shérif? Je peux te parler une minute, s'il te plaît? Ok, attends, j'arrive. Ami, j'ai croisé Majib en bas. Mais il faut qu'on parle, parce qu'on doit terminer ce qu'on a commencé l'autre fois. Ok, je t'écoute. À quoi vous jouez, toi et Majib? Comment ça? Ami, je suis son grand frère. Toi, je dois te considérer normalement comme ma petite sœur. J'ai bien plus d'expérience que vous. C'est ma mère qui m'a dit que vous étiez tous les deux ici dans cet appartement et qu'il fallait que je règle ça. C'était pas prévu que ta mère nous trouve ici. Oui, prévu ou pas, vous deviez prendre vos responsabilités Mais et être prudent. J'ai dit que c'était pas prévu, tu veux quoi de plus? Moi, je sais ce que je veux. Mais toi, je ne vois pas, Ami. Je veux Majib. Permets-moi d'en douter, alors. Ah bon? Oui, parce que tu es une femme. Tu es la meilleure amie de Nday. Day Marie est la fiancée de Majib. Et toi, tu viens, tu sors avec Majib, on accepte. Mais au moins, soyez discrets tous les deux. Vous vous affichez devant tout le monde, devant toute la famille. Et tu crois que c'est comme ça qu'on va t'accepter dans la famille? Ah, mais non! Tu as vu ma mère. Alors sache qu'elle aura le dernier mot. Et si elle décrète que tu n'as pas ta place, alors tu ne feras jamais partie de cette famille. C'est le problème de Majib et on n'en est pas encore là. Ami, je ne suis pas né de la dernière pluie. J'en sais bien plus que vous. Admets-le. Toi, tu es fourbe. Tu caches quelque chose. Et tôt ou tard, ça se saura. Ce que tu fais avec Majib, ça ne donnera rien de bon. Et vous allez en souffrir. Je te préviens. On verra. Non, mais... Hé. T'inquiète. Écoute-moi. Tu peux pleurer. C'est rien. Y a aucune honte à ça. Hé. Non, t'en fais pas. Redresse-toi. C'est bon, pleure. Tu peux crier, tu peux hurler, tu peux défoncer le mur, y a pas de souci. Si tu veux pleurer toute la semaine, alors vas-y, je serai là. Je serai là pour toi. Mais je veux que tu saches une chose. Il ne faut jamais que tu doutes de toi. Aucun homme n'en vaut la peine.
Tu es la femme la plus brave, la plus intelligente, la plus ravissante que je connaisse. Ok ? Je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit. Non, c'est rien. Tu as peut-être raison. Ça craint. Tu as peut-être raison. Mais j'aime Majib. Boris, j'essaye de lutter contre ça, mais je... C'est lui que j'aime. C'est Majib que j'aime, Boris. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ouais. Comment est-ce que je vais faire maintenant ? Allez, viens. Boris, je vais faire comment ? Comment je vais faire, moi ? Et après, ça dépend. Ouais. Et... Excusez-moi, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Chérie, comment tu vas ? Ça va ? Tu vas bien ? Ça va, tranquille. Alors ? Je t'ai appelé plein de fois, bébé. Tu m'as dit une heure, là, ça fait bientôt deux. Désolée, bébé. J'étais sur silencieux. Ça va, toi ? Ça peut aller. Mm. T'es prête à partir ? Oui. Laisse-moi juste te dire au revoir. En même temps, je te présente Monsieur Sec. Ok. Monsieur Sec ? Monsieur Sec, je vous présente Lamine Cissé, mon fiancé. Lamine Cissé, Monsieur Sec, le PDG investisseur dont je t'ai parlé. Il va m'aider en gros à revoir mon projet. Et si tout se passe bien, si j'arrive à le convaincre, bien sûr, il va le financer. Enchanté, Monsieur Sec. Waouh, c'est une sacrée poignée de main que vous avez là. Désolé, mais c'est la vôtre qui force le respect. En tout cas, merci d'avoir donné sa chance à ma fiancée. C'est tout à fait normal. Son projet est très prometteur. Nous allons voir ce que ça va donner. Mais en tout cas... Je vois qu'elle a un brillant avenir. Merci. Je ne vous le fais pas dire. Si jamais ça doit se faire, vous n'allez pas le regretter. Pendant 8 ans de relation, son sérieux et sa détermination n'ont fait que de grandir. Waouh, c'est une sacrée relation que vous avez là. Oui, c'est vrai. Vous vous joignez à nous ? Non, malheureusement, Lamine et moi devons partir. Mais une prochaine fois ? D'accord, pas de souci. Chérie, je prends mon sac, j'arrive. Ok, d'accord. D'accord. Eh, je suis prête, on peut y aller. Merci beaucoup, Monsieur Sec. À la prochaine. À la prochaine. Allez, au revoir. Ravi d'avoir fait votre connaissance, Monsieur Sec. Tout le plaisir était pour moi. On y va. C'est toi qui conduis. Alors, t'as vu comme il est sympa ? Ouais, ouais, il est cool. Mais j'ai comme l'impression que vous vous appréciez mutuellement. Ouais, mais c'est pro, quoi. Genre, il est de notre génération et il a quand même réussi à se positionner en tant que référence dans ce domaine. C'est quand même pas banal. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, chérie, toi aussi, quand tu vas gravir les échelons petit à petit... Tu finiras directeur général de la NASA. Hey ! T'es pas normal, toi. Mais dis-moi, t'avais quelque chose à me dire d'important ou alors je te manquais, comme d'habitude ? En fait, c'est un peu des deux. Mmh ? Tu sais à quel point je meurs d'envie de te voir à chaque fois. Mais je tiens à te dire quelque chose. C'est quoi ? Je t'écoute. Écoute, c'est à propos de Hadja. Actuellement, sa mère est à la maison. Écoute, il y a pas mal de tensions en ce moment. Tout le monde est perdu. Mmh, certainement pas elle, hein. Mais et sa mère, elle fait quoi ici ? Eh, c'est toi qui voulais du temps. C'est clair qu'elle va en profiter, Lamine. En plus, le pire, c'est qu'elle en a déjà profité. Pardon ? Écoute, je ne fais confiance qu'à une seule personne, et c'est ma mère. Mmh. Je n'ai confiance qu'en elle. Lamine. Mai. Hadja prétend... Elle prétend être enceinte. Quoi ? Écoute, c'est pour cette raison que sa mère est venue.
Je... Mai, tu dois me croire quand je te dis que je n'ai absolument rien fait. Lâche. Je n'y suis pour rien. Ma main. C'est difficile de croire que t'as rien fait. Vu que toi-même, tu n'es même pas sûr de pas avoir couché avec elle. Et pourtant, je t'ai proposé d'aller parler à mon père. Mais toi, t'as refusé. À croire que cette situation t'arrange. On dirait que tu as fait tout ça juste pour trouver des... Juste des excuses, en fait. Parce que tu veux finir par te marier avec elle, c'est ça? Lamine, moi, je me suis préservée toutes ces années. Et toi, une seule nuit. Une nuit, t'as pas pu te préserver. Je me demande s'il y a pas d'autre chose que tu me caches. Juste comme ça? Eh bien oui. Ah, Jeanne, je me demande si tu es gentille ou alors naïve, mais ça pose un problème. Mm-hmm. Je pense que tu ignores complètement quelle influence la fille de ton mari pourrait avoir sur tes propres enfants. Hmm? Sois prudente. Si jamais tu lui ouvres la porte et que tu l'acceptes dans ta maison, il y aura des conséquences. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter, parce qu'elle est la sœur de mes enfants. Et je pense que ce lien est important. Oui, mais néanmoins, reste sur tes gardes. D'accord. Fais très attention. On ne sait jamais. Mm. Tu sais, de nos jours, la confiance, ça se mérite. Tu ne dois pas la donner facilement. Surtout pas. Je comprends. Mais au fait, c'est l'aîné de Boris? Non, c'est Boris l'aîné. C'est la cadette de Boris. Mais elle est de la même génération qu'Aïcha. Je vois. Hé, hey, amie! Khadija. Ça va? Entre. Il y a mon papa qui t'attend. D'accord. Ami, la vérité, c'est essentiel. Et souvent, il ne faut pas la faire attendre. Quel que soit ce qui t'attend au bout. Je ne veux pas t'embarquer dans les erreurs que j'ai commises avant. À éternellement attendre le bon moment. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de bon moment. Il y a juste des gens qui ne savent pas. Et quand on ne sait plus, ça crée des difficultés. J'ai laissé faire. J'ai trop attendu. Et ça a toujours été mon erreur. Avec ta mère. Avec toi. Mais tout se finit bien. Oui, mais j'ai été forcé par le destin. Mais oui. Tout est clair maintenant. Pas pour tous. Effectivement. Chérie, nous parlerons de ta mère une prochaine fois. Et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Mais ce dont on va parler là, c'est au sujet de deux choses. Et premièrement, ton travail. Mon travail? Oui. J'ai pas été transparent avec toi. En réalité, celui qui t'a associé avec Majib, pour ce projet-là, c'est moi. Pardon? Attends, je comprends pas.
Comment tu connais Majib? Et ce monsieur qui m'a... Il y a un patron qui se cache. Je sais pas pourquoi. Mais je le trouverai. Je sais que Monsieur Sek travaille pour un ami de ma mère. C'est le père de l'ami dont je t'ai parlé la dernière fois. Et puis, c'est un promoteur immobilier très connu ici. Ah bon? Et son nom? C'est avec elle que Tonton Bachir m'a associé. Monsieur Sek, c'était juste une couverture. Plus je voulais t'aider, et moins tu voulais me voir. Je n'avais pas le choix. Mais sache que tu es ma fille. Boris est mon fils aîné. Il n'est pas là. Donc c'est à toi de prendre la relève. C'est juste ça. Donc, je suis désolé. Monsieur Sek, c'est juste une couverture. C'était pas facile aussi pour moi, mais j'ai fait le devoir d'un père. J'ai fait le devoir d'un père. Je vais devoir y aller. Ah. À bientôt. Aïda. Mais non, Aïda, ne pars pas. Attends une minute, ami. Je te présente... Voici Aïda, c'est la directrice générale du projet sur lequel tu travailles avec Majib. Donc c'est elle qui dirige ça. C'est la maman de Majib. Ami, on se connaît déjà très bien. D'accord. D'ailleurs, Bachir, quel lien as-tu avec la jeune amie? Ami, c'est ma fille. Ta fille? Oui. Excusez-moi, mais je... Ok, je dois ma y... chérie. C'est une longue histoire. Mais un jour, je t'expliquerai tout. Mais à part ça... Y a un problème ? Décroche. Allô? Allô, Jazz? Heureusement. Écoute-moi, faut annuler le plan. Faut tout annuler, Jazz. Quoi, ami? Tu parles de quoi? Annuler quoi? Faut qu'on annule tout, Jazz. Mais t'es folle, pourquoi tu veux annuler? T'occupes, c'est pas le moment, Jazz. Annule tout, pour l'amour de Dieu. C'est toi qui avais raison depuis le début. J'ai fait n'importe quoi, j'ai complètement pété les plombs. Oh mon Dieu, annule tout, ton gars peut garder la thune. Mais empêche-le de mettre de la drogue dans le conteneur. Empêche-le, Jazz, on arrête tout. Ami, tu n'écoutes pas. C'est fait. On peut plus reculer. Et la drogue a été découverte par les services de la douane. Ce sera bientôt dans les infos. Ami, c'est fait. C'est trop tard. T'as réussi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas vrai.